consulter l'Éternel. Kupitia yeye tupate kumuuliza wa milele. Écoutez ceci. Sikieni hivyo. Josaphat était un roi. Josaphat alikuwa mfalme. Mais comment un roi? Namna kani mfalme? Pendant qu'il y a la crise dans le pays. Wakati kuko crise mwinchi. Au lieu qu'il convoque même le Sénat. Pari yeye kuita ta Sénat. Au lieu qu'il convoque même les grands économistes. Au lieu kuita ta bale ba kujifunza. Au lieu qu'il convoque même le parlement. Wakati kuita ta parlement. Le roi Josaphat lui dit. Mfalme Josaphat anasema. N'y a-t-il pas ici? Eti hakuna ko hapa? Dans ce pays. Mwinchi. Un prophète. Nabi. Que nous puissions consulter l'Éternel. Tupate kumuliza wa milele. Ce n'est pas qu'ils vont consulter les prophètes. Aina kisa tutamuliza nabi. Ils consultent l'Éternel. Nako namuliza wa milele. Par le prophète. Kupitia nabi. Est-ce que nous sommes ensemble? Et tu ça, c'est le roi Josaphat. J'aimerais qu'on lise la Bible. Le roi Josaphat dit. Mufalme Josaphat, n'y a-t-il ici? Et aucun prophète de l'Éternel. Mais qu'est-ce que le prophète a de mieux? Parce que le prophète n'a même pas de champ. Il n'a même pas de panier de maïs. Mais étant roi, pourquoi il cherche le prophète? Josaphat connaissait l'Éternel. Il connaissait Dieu. Mais il n'est pas parti seul. Pour consulter l'Éternel. Il cherche qui? Il cherche qui? Il cherche qui? J'aimerais qu'on ait petit à petit que ces choses vous pénètrent. Josaphat n'était pas un pasteur. Josaphat a chikwe pastori. Josaphat, hein? Josaphat, c'est un roi. Yen mufalme. Un roi a de l'argent. Mufalme kona makuta. Un roi a des biens. Eko na mari. Mais pendant qu'il y a la crise, wakati bintu abiendeke, Josaphat cherche le prophète. Josaphat anatafuta nabi. Qu'est-ce que le prophète a de mieux? Nabi eko na kizuri kani? Écoutez ceci. Musikia hivyo. Josaphat avait le secret d'avoir le prophète dans les camps. Josaphat alikuwa na siri ya kuwa na nabi pamoja. Quand il y avait la crise, wakati mambo yakuendeke, Josaphat allait consulter Eli. Josaphat alikuwa anaenda kwa Elia. Est-ce que nous sommes dans la Bible? Eh, tu mo Biblia. Pendant que Josaphat était malade, wakati Josaphat alikuwa mgonjwa, il allait consulter Eli. Alikuwa anaenda kumuliza Elia. Les généreux sont malades. Mwenkwa bagonjwa. Ils partent consulter qui? Bako anaenda kuuliza nani? Eli. Elia. Or, il n'a même pas d'instruction. Yeah. Anatana majifunzo. Or, il n'a même pas étudié. Yeah, akujifunza, mais qu'est-ce que le prophète a de mieux? Nabi, ego na kitu kani kia kipeke? Qu'est-ce que le prophète a de mieux? Nabi, ego na kitu kani kia kipeke? Il n'a même pas de moyens. Anatana na il n'a même pas de belles maisons. Anatana nyumba ya mzuri. Mais étant roi, c'est ça qui m'étonne. Jeli unanishanga, yeye mwenye kwa mfalme. Un roi qui cherche le prophète. Mfalme yeye unatafuta nabi. Je ne sais pas pourquoi, mais nous allons les découvrir. Ayez vos Bibles, nous allons les découvrir. Ouvrons nos Bibles. Je suis dans le livre de Malachi 3. Malachi 3. Le roi Josaphat. Toi, tu pars consulter un prophète. Voulant que l'Éternel puisse te dire pourquoi est-ce qu'il y a la crise? Una tafuta Mungu akuoneshe juu ya nini mambo yaendeke. Malachi 3:1. Malachi 3:1. Voici. Tazameni, j'enverrai mon messager. Ntatuma mjumbe wangu. Il préparera le chemin devant moi. Atatayarisha njia mbele yangu. Et soudain, na mara moja, entrera dans son temple. Ataingia mwekalu yake. Le Seigneur que vous cherchez. Bwana ule mwema unatafuta. Entrera dans son temple. Ataingia mwekalu yake. Le Seigneur. Bwana que vous cherchez. Ule Mungu unatafuta. Matthieu 11. Matayo 11. Posons un petit fondement et nous allons avancer. Matthieu 11:10. Nos visiteurs, nous lisons la même Bible. Matthieu 11:10. Car c'est celui dont il est écrit. Voici.
Tazama, j'envoie mon messager devant ta face. Natuma mujumbe wangu mbele ya uso wako. Pour préparer ton chemin devant toi. Njoo kutayarisha njia mbele yako. La Bible dit au verset 11. Yesa mstari 11. Je vous le dis en vérité. Mimi niambia ukweli. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point pari de plus grand que Jean-Baptiste. Afakaka mkubwa kama Yohane Mbatizaji. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Eko mkubwa kuliko Yohane Mbatizaji. Cependant, le plus petit est plus grand que Jean-Baptiste. Nous voulons découvrir qui est ce plus petit. Que Dieu nous aide. Ah, Mungu atusaidie. C'est ce qu'on veut. Le plus petit là, c'est qui? Ule mudogo kabisa ni nani? Qui est-il? C'est lui qui est plus grand que Jean-Baptiste. Verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes de la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. C'est ceci qui m'intéresse. Verset 14. Et si vous voulez les comprendre, c'est celui qui est l'Élie qui devait venir. Qui est l'Élie qui devait venir? Qui est l'Élie qui devait venir? C'est qui? Ninani? Jean-Baptiste. Yohane Mbatizaji. C'est-à-dire, Nikusema, c'est lui que le roi Josaphat consultait. Ule mufalme Josaphat alikuwa anauliza. C'était Jean-Baptiste. Alikuwa Yohane Mbatizaji? Je ne sais pas. Sijue. Je ne sais pas. Sijue. Et si vous voulez le comprendre, na, hivi, kama unapenda kuyelewa, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Ni yeye njo Elia ule alipashwa kuja. Verset 15, la Bible dit quoi? Mstari 15 Biblia inasema, que celui qui a des oreilles pour entendre, ule kuna masikio njo kusikia, fasse quoi? Afanye nini? Que celui qui a des oreilles pour entendre, ule kuna masikio njo kusikia, fasse quoi? Afanye nini? Asikie. C'est lui l'Élie qui devait venir. Yeye njo ule Elia mwenye alipashwa kuja. C'est qui? Ni nani? Jean-Baptiste. Yohane Mbatizaji. Lik 1, 17. Luka 1, 17. Qu'est-ce que la Bible dit? Biblia inasema nini? Luc 1, 17. Luka 1, 17. Écoutez la Bible. Musikieni Biblia. Aimez-vous aussi la Bible? Eti mnapenda pia Biblia? La Bible dit. Biblia inasema. Il marchera devant Dieu. Atatembea mbele ya Mungu. Avec l'esprit. Na roho. Et la puissance d'Élie. Na uwezo wa Elia. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Pour ramener les cœurs de qui? 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 Vers qui? Nakubanani? Est-ce que nous sommes ensemble? Ça, c'est la mission de Jean-Baptiste. C'était ça sa mission. Malachi 4. Excusez-moi, je pose juste un petit fondement et on avance. Malachi 4, 5. Voici. Je vous enverrai. Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, des pères que je ne vienne
frapper les pays d'interdit. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Quand nous avons lu dans Luc 1, 17, nous voyons qu'il y a une seule mission. Une seule mission. Oh, Malachi nous promet combien de missions? Malachi, alors tu n'as qu'à m'accaser. La mission de Jean-Baptiste, qui est l'Élie de Malachi 3. Parce que Jean-Baptiste est l'Élie de Malachi 3. Et il n'avait qu'une seule mission. Mais je me demande la deuxième mission de Malachi 4 qui devait l'accomplir. Qui va accomplir la deuxième mission? Oh, gloire au Seigneur! Les grands jours s'élèvent. Et Dieu nous a visités. Josaphat avait les secrets. Il savait que la présence d'un prophète amène la solution au problème. Josaphat savait que la présence d'un prophète amène la guérison à toutes les maladies. La présence d'un prophète amène la miséricorde. La présence d'un prophète amène l'expiation à tous les péchés. Si vous voulez être pardonné, ayez un prophète en qui vous consultez. Si vous voulez avoir la solution à tous les problèmes, ayez un prophète en qui vous pouvez consulter. Même s'il y a la crise dans le pays, tant que vous avez les prophètes, vous ne connaissez pas le mot crise. Quand il y avait la crise dans le pays, la veuve de Sarepta, elle mangeait trois fois le jour. Pendant que les autres pleurnichaient. Pendant que les autres pleuraient. Pendant que les autres étaient en temps de crise. Mais elle mangeait trois fois le jour. Pourquoi est-ce qu'elle mangeait trois fois le jour? Parce qu'elle avait un prophète. Parce qu'elle avait qui? Un prophète. Quand nous avons le prophète, cela amène l'expiation au péché. Quand nous avons le prophète dans les camps, cela amène la protection. Quand nous avons le prophète dans les camps, c'est là que Dieu va nous garder. Car la Bible dit, par un prophète, Israël, c'est une écriture que vous connaissez, par un prophète, qu'est-ce qui est arrivé à Israël? Il vit monter hors d'Égypte. Et par un prophète, il fit garder, même si nous avons des maladies. Pendant que nous avons le prophète dans les camps, cela ne nous fera aucun mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La foi vient de ce qu'on entend. Maintenant, c'est là que nous commençons notre petit sujet. Le diable pensait que quand Élie a quitté la scène, il a eu l'église du Dieu vivant. Non, nous allons dire au diable ce soir, ce n'est pas encore fini. Des Rois, chapitre 2. Verset 11. Il y a ici Élisée. Elisha. Verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait.
Comment est-ce qu'il crie? Mon père! Baba yangu! Mon père! Baba yangu! Char d'Israël et sa cavalerie. Ah, gari ya Israël na mpanda farasi yake. Mon père! Baba yangu! Mon père! Baba yangu! Char d'Israël et sa cavalerie. Gari ya Israël na mpanda farasi. Qu'est-ce que cela voulait dire? Il répond comme ça: mon père! Baba yangu! Mon père! Baba yangu! Toi qui voyais plus que tous les chars. Wewe ulikuwa unaona kuliko magari yote. Toute l'armée d'Israël. Maintenant tu y es parti. Quels seraient les ordres de ce pays? Toi qui es le prophète consulté. Maintenant tu y es parti. Quel serait notre sort? Le diable pouvait se réjouir. Non, le diable, hein, qu'il ne se réjouisse pas. Parce qu'il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur ses mains. Il y a ici Élisée, qui reçoit les enseignements d'Élie. Il y a ici Élisée, qui reçoit ce qu'Élie dit. Il y a ici Élisée, qui écoute que ce qu'Élie dit. Diable, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Il y a encore ici Élisée. Il y a encore Élisée. Élisée qui porte l'esprit. En double café. Alléluia. 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 Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements. Et il déchira en deux morceaux. Il releva les manteaux qu'Eli avait laissé tomber. Akalamusha tena ile nkanjo Eli aliangusha. Écoutez ceci. Il n'a pas pris un manteau semblable à celui d'Eli. Il a pris exactement les manteaux d'Eli. Ce soir, si vous avez un autre manteau, amenez ça ici. Et nous allons les brûler. Si vous avez les manteaux de Kankar, ni les manteaux de Rose Croix, ni les manteaux de vos familles, amenez ça ce soir. Nous brûlons et nous vous donnons le manteau d'Eli. Pas un manteau semblable, mais le même manteau qu'Eli avait frappé sur les Jourdains. Qu'est-ce qu'il avait frappé? Il a dit: où est l'Éternel, le Dieu d'Eli? Où est l'Éternel, le Dieu d'Eli? La Bible dit que lui aussi, Élisée aussi, quand il est arrivé devant les Jourdains, il a pris le même manteau, le même manteau qu'Eli avait. Il est arrivé devant les Jourdains et il a frappé les manteaux en criant: où est l'Éternel, le Dieu d'Eli? Où est l'Éternel, le Dieu d'Eli? Vous pouvez être devant le Jourdain ce soir. Vous pouvez être devant une difficulté. C'est peut-être une maladie. C'est peut-être un problème sans solution. C'est peut-être la pauvreté. C'est peut-être la stérilité. C'est peut-être un cancer. C'est peut-être le sida, moi je ne sais pas. Vous êtes devant le Jourdain ce soir. Je vous présente les manteaux. Je vous présente les manteaux. Les manteaux qu'Eli avait utilisés. Quand tu l'es arrivé devant les Jourdains. Et il a crié: où est l'Éternel, le Dieu d'Eli? My, où est l'Éternel, le Dieu d'Eli? Ce soir j'ai des problèmes. Ce soir j'ai des difficultés. Ce soir j'ai des maladies. Mais où est l'Éternel, le Dieu d'Eli? Où est-il? Nous voulons le voir. Où est-il? C'est celui dont nous cherchons. Le Dieu qui, lorsque Élisée est arrivé devant le Jourdain, il prie.
pris les mêmes manteaux. Et il a frappé sur le Jourdain. Et il a crié. Où est l'Éternel? Le Dieu d'Élie. Où est l'Éternel? Le Dieu d'Élie. Nous avons tant entendu parler de lui. Oh, mon oreille a entendu parler de lui. Mais maintenant mon nez veut le voir. Mais maintenant moi aussi, je voulais le voir. Quittons de la vérité, allons à la réalité. La vérité est que Dieu guérit. La vérité est que Dieu donne des solutions aux problèmes. Mais je n'ai pas besoin de la vérité ce soir. Ce soir, moi j'ai besoin de la réalité. Ce soir, moi j'ai besoin de la réalité. J'en ai marre de la vérité. Seigneur, que cette vérité soit une réalité pour moi. Oh Seigneur, c'est ce que je désire ce soir. Seigneur, c'est ça que je veux ce soir. Et j'aimerais vous dire ceci. Ce soir, aucun démon ne va s'échapper. Et je voulais vous dire ceci. Nous sommes sur le mont Carmel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là le Dieu que nous allons adorer. Le Dieu qui ne répond pas par le feu, celui-là on l'adore pas. Où est l'Éternel? Le Dieu d'Élie. Où est-il? Et c'est une histoire. Non, c'est une réalité. Ce n'est pas de l'histoire. C'est de la réalité. Et Élisée, c'est moi et toi ce soir. La première des choses qu'on doit faire, nous devions croire Élie pour recevoir les enseignements d'Élie. Et ensuite, là, on peut arriver devant le Jourdain, devant des difficultés, devant des problèmes. Et là, on va utiliser le même manteau. Vous avez une maladie. Vous voulez utiliser quel manteau? Pendant que vous ne recevez pas l'enseignement d'Élie, vous avez des difficultés financières. Vous voulez voir Dieu agir. Mais quel est le Dieu que vous adorez? Donc commençons par Élie. C'est ce que je veux vous dire. Le début de ces réunions, commençons à croire Élie et voyons ce qui va suivre. Alléluia. Amen. Quand ce message est venu, Dieu est entré en scène pour la délivrance. Dès que le message arrive, Dieu directement entre en scène pour la délivrance. Il te délivre de toute maladie. Il te délivre de toute pauvreté. Il te délivre de toute stérilité. Il te délivre de tout ce dont ton lié depuis tout ce temps. Mais vous savez ce que les Américains ont fait? Ils ont empêché les gens à toutes les bénédictions. Les Blancs ont empêché les gens de recevoir les bénédictions. Sauf en Afrique. Savez-vous pourquoi? En Afrique, ils ont leurs mains levées, s'attendant à Dieu. Pendant que Ekour ça et là, en Afrique, nous avons les mains levées, s'attendant à Dieu. Et c'est ici en Afrique que les bénédictions tombent. Le blanc, Bazungu, meurt du jour le jour. Kufa shiku kwa shiku. Cependant, ce sont eux qui sont trop propres par rapport à nous. Mais quand la pandémie arrive, elle tue plus que les Blancs. Mais nous les Africains, nous avons nos mains levées, s'attendant à Dieu. C'est là que les bénédictions
tombe. J'aimerais vous poser une question. Savez-vous pourquoi les bénédictions tombent en Afrique? On n'a pas le temps de les lire, on peut les projeter. Marc 15:21. Pendant que le Seigneur Jésus-Christ était en train d'aller à la croix, il avait la croix sur ses épaules. Il était en train de monter. En train d'aller au lieu appelé Golgotha. Avec la croix sur ses épaules. Et cette croix dépendait de ton salut. Et cette croix dépendait de ta guérison. Et cette croix dépendait de la solution à ton problème. Mais maintenant Jésus arrive quelque part. Il abandonne la croix. Il laisse la croix. Oh Jésus. Oh Jésus. Cette croix qui dépend de notre salut. C'est cette croix qui dépend de la solution à toute cette mondanité. Mais maintenant tu abandonnes la croix. Quelle serait la suite de ce monde? Quelle serait la suite de toute cette nation? Jésus abandonne la croix. Tous les blancs étaient là. Les juifs étaient là. Tout le monde était là. Ils regardaient de loin. Ils étaient en train d'observer. Mais il y a un Africain. Pourquoi Africain? Du nom de Simon Désiré. Qui est venu. Il a porté la croix pour Jésus. Oh, alléluia. Lorsque Simon porte la croix pour Jésus, Jésus commençait à marcher. Il marchait librement. Il marchait librement. Souvenez-vous de ceci. Que Jésus avait porté la couronne de pieds. Et le sang était versé sur la croix. Mais maintenant la croix est sur les épaules de Simon de Cyrène. Un homme noir qui porte maintenant la croix. Il commence à l'amener au lit appelé Golgotha. Il commence à aller avec la croix. Pendant qu'il était en train d'aller avec la croix, Jésus marchait librement. Il marchait librement. Or, c'est de cette croix qui dépendait ta solution. Maintenant, Jésus abandonne. Quelle serait votre suite? Ça devrait être une perte totale. Les blancs observaient. Les blancs observaient. Mais il y a un Africain. Oh, ceci me fait du bien. Ceci me fait du bien. Il y a un Africain. Lisez la Bible. Du nom de Simon de Cyrène. Un homme noir. Qui vient maintenant. Il transporte la croix. Il transporte la croix. La croix qui était teintée de sang. Il n'est plus sur les épaules de Jésus. Maintenant, la croix est sur les épaules d'un Africain. Et un jour, on amène un enfant qui avait des yeux louches devant Élie. Un enfant qui ne voyait pas devant Élie. Son père avait entendu parler de la réunion d'Élie. Ils sont allés avec l'enfant. Et pendant la foule, le papa a perdu l'enfant. Maintenant, l'enfant était en train de crier. Il disait, papa! Baba, papa! Baba, papa! Baba. Et Élie était en train de venir. Élie a vu cet enfant-là de loin. Élie part, il se croise avec l'enfant. L'enfant se tape à Élie. Élie lui pose la question. Qu'est-ce que tu cherches? Il dit, je cherche mon papa. Mais j'ai entendu. Parler ici, il y a un guérisseur. Monsieur, si tu peux m'amener devant ce message, je vais recevoir ma guérison. Alléluia! L'enfant avait l'assurance que si elle pouvait se retrouver devant Élie, le prophète Élie, elle va retrouver la vie. Élie lui pose la question. Comment il s'appelle? Tu les cherches? C'est Élie que je cherche. L'enfant dit, plutôt le papa dit, ne suis-je pas celui dont tu cherches? L'enfant serre Élie dans les habits. Il dit, s'il te plaît, guéris-moi.
L'enfant répond. S'il te plaît. Guéris-moi. J'aime la réponse d'Élie. Élie répond. Petit enfant. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui le guérit. Il n'y a que Jésus qui peut guérir. Et la présence de Jésus apporte de nouveaux espoirs. Et la présence de Jésus chasse tous les démons. Et la présence de Jésus chasse chaque incrédulité. Lorsque Marie est arrivée chez Élisabeth, lorsqu'elle a dit seulement à sa sœur que le même ange qui est apparu à ton mari m'a dit que je mettrai au monde un enfant et je lui donnerai le nom de Jésus. Dès qu'il dit ça, l'enfant qui était mort, 6 mois durant, a tressailli de joie. C'était quoi? Là où Jésus est, la mort ne peut pas résister. Là où Jésus est, le problème ne peut pas résister. Lorsqu'il est allé à la tombe de Lazare, Marthe l'a dit. Il sent déjà. Il sent déjà. Car il y a 4 jours. Donc, la question de Jésus était, où l'avez-vous mis? Ma question n'est pas de savoir combien de temps. C'est ça ma question. N'est pas celle de savoir combien de temps cela a duré. Ma question est de savoir où l'avez-vous mis. Même si vous êtes en difficulté, ça fait autant d'années. Ce n'est pas ça ma question ce soir. Même si vous êtes en difficulté, il y a autant de jours. Ce n'est pas ça ma question. Même si une maladie date de longtemps, ce n'est pas ça ma question. Ma question ce soir, où l'avez-vous mis? Même s'il sent déjà, ce n'est pas ton affaire. Même si ça fait 4 jours qu'il est dans la tombe, cela ne te concerne pas. Même ma question. Où l'avez-vous mis? Jésus arrive devant la tombe. La Bible dit qu'il criait d'une voix forte. Lazare, sors. Lazare, sors. Lazare, sors. Écoutez ceci. Si Jésus n'avait pas précisé que seul Lazare ne puisse sortir, ça devrait être la résurrection de tous les morts. Parce que Jésus est le roi de tous les esprits. Même l'esprit de la stérilité, Jésus est le roi de la stérilité. Même l'esprit de la pauvreté, Jésus est le roi de la pauvreté. La formule est simple ce soir. Crois Élie. Et lorsque tu es devant le Jourdain, c'est là que tu peux frapper. Et que tu vas dire, oh oui, l'Éternel, le Dieu d'Élie. Écoutez la prière qu'il fait. Il dit, Seigneur, souviens-toi. Élie devant l'enfant. L'enfant avec. La descendance de Simon de Cyrène. Élie commence à prier. Il dit, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi. Qu'un jour sur les rues de Jérusalem, alors que tu étais en train de partir, tu avais abandonné la croix. Et l'enceinte de cet enfant t'a aidé à transporter la croix. Ne peut-il pas l'aider à transporter aussi sa croix? Oh, il y a la fontaine remplie d'essence ce soir. La fontaine tirée
et des veines d'Emmanuel. Chaque pécheur qui se plonge reçoit le pardon à ses péchés. Chaque malade qui y entre reçoit la guérison à sa maladie. Oh Seigneur, souviens-toi que cet enfant est la descendance de Simon de Cyrène et ton ancêtre t'a été à transporter la croix. Ne peut-il pas aussi quelle est ta croix ce soir? Tu as quelle croix ce soir? Tu es un Africain. Quelle est la croix que tu portes ce soir? Ton ancêtre avait aidé Jésus à transporter la croix. Je ne sais pas la croix que tu as aussi ce soir. Jésus-Christ ne change pas. Son identité n'a pas changé. Jusqu'à maintenant, il demeure les mêmes. Quand vous entendez ceci, c'est suffisant pour un boîtier qui a les béquilles ce soir. À présent, même là où je suis maintenant, qu'il se lève là où il est avec ses béquilles et qu'il me l'amène ici ce soir. Ceci est suffisant, mes frères. Ceci est suffisant, mes soeurs. Pour celui qui n'a pas de la vie, de recevoir la vie. Non, j'aimerais demander ceci. Que si dans cet auditoire, ici présent, maintenant, si il a les béquilles, qu'il l'amène ici. Nous voulons voir la puissance du Dieu d'Élie. Nous voulons voir la capacité qu'il a. Nous voulons voir sa puissance ce soir. Non, nous voulons voir sa puissance. Non, nous voulons voir sa puissance ce soir. S'il y a un tel homme ce soir, avec les béquilles, aujourd'hui on va écrire une nouvelle histoire. Si cet homme est là maintenant, aujourd'hui, il saura que nous avons un Dieu puissant. S'il est là qu'il avance ici, je ne bluffe pas. Je vous dis la vérité. S'il y a quelqu'un avec les béquilles ici, il avance ici devant. S'il y a quelqu'un avec les béquilles, qu'il avance ici ce soir. Non, le Dieu d'Élie n'est pas mort. Le Dieu d'Élie n'est pas mort. Pendant que je vous demande d'incliner vos têtes, le Dieu d'Élie n'est pas mort ce soir. Mon frère, ma soeur, le Dieu d'Élie est capable de guérir n'importe laquelle des maladies. Le Dieu d'Élie est capable de te donner la vie. Oh, my. Le Saint-Esprit est ici pour guérir chaque maladie. Je le crois ferme. Inclinons tous nos têtes. Soyez révérencieux maintenant. Nous voulons voir la puissance du Dieu. Soyez révérencieux maintenant. Nous voulons voir combien il est grand. On ne peut pas faire faveur à un Dieu qui ne fait pas. Soit il est Dieu, soit il n'est pas Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a un tel homme ici? S'il est là, qu'il avance un peu ici. Nous voulons voir la puissance de ce Dieu. Nous voulons voir combien ce Dieu est puissant. Oh, mes frères et sœurs, vous êtes aussi des Africains. Élie était devant un enfant qui ne voyait pas. Et l'enfant a retrouvé la vie. Mais maintenant, Élie est parti. Il y a ici Élisée. Élisée est là ce soir. Élisée est là avec le même manteau qu'Élie avait utilisé. Élie a dit que lui va partir. Il n'a rien à faire avec la guérison. La guérison reste avec nous ce soir. La guérison reste avec nous. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Qu'est-ce qui te dérange? Avez-vous un besoin aujourd'hui? Un besoin qui dépasse vos capacités? Quel est votre besoin? Êtes-vous tellement à court d'argent? Quel est votre besoin ce soir? Le Saint-Esprit est ici pour vous donner tout ce dont vous désirez. Le Saint-Esprit est ici pour vous venir en aide. Mais je vais d'abord demander une chose avant que nous puissions prier. S'il y a quelqu'un ici qui a entendu cette parole et qui veut y croire, parce que premièrement, nous devions croire. La foi
vient de ce qu'on entend. S'il y a une telle personne ici ce soir qui veut croire cette parole et qui veut voir la puissance du Dieu des livres, je vais prier pour lui. Qu'il lève juste sa main là où il est. Qu'il lève. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, mon frère là-bas. Vous qui avez levé les mains, mettez-vous debout, s'il vous plaît. Amen. Vous qui avez levé les mains, mettez-vous debout, s'il vous plaît. Je vais prier pour vous ce soir. Ceux qui ont levé les mains puissent avancer ici à leur tête. Qu'ils avancent ici devant. Nous allons prier pour vous. Premièrement, commencez à croire Élie. N'ayez pas honte de quoi que ce soit. Si vous avez honte de Dieu, Dieu aussi aura honte de vous. Venez ici, mes frères. Ce message a la capacité de prendre comme difficulté. Mais le Dieu d'Élie est ici ce soir. Mais le Dieu d'Élie est ici maintenant. Il peut te donner ce que tu désires. Il peut te les donner. Pendant que je vais demander à ceux qui sont assis de se tenir debout. Et vous qui êtes devant, vous allez incliner la tête. Vous allez incliner la tête. Moumani mounene wanvita. Mouchimouni wakaleka. Le puissant vainqueur, le puissant conquérant. Mumani munene wa vita ale kale jilobo chiko le mukale jilobo Oh, Jukawena, Namuruka.
fais ceci. Pendant que nous voulons prier, je vais demander. Y a-t-il pas quelqu'un d'autre qui veut prendre cette décision afin que ses péchés soient pardonnés? C'est ça la première marche. Quand vous croyez ceci, Dieu pardonne tous vos péchés. Jésus-Christ est capable, même si vous êtes une prostituée, de vous rendre une chrétienne. Ce message a la capacité de te prendre dans une position de honte et de faire quelque chose, même si tu es sans arrière-plan, même si tu n'as pas de passé spirituel. Ce message est capable. J'aimerais demander avant que nous puissions prier, s'il y a encore une telle personne. Oh, Jésus Christ pardonne tous les péchés. Jésus Christ guérit les malades. Oui, je les crois. S'il y a quelqu'un encore dans les bancs, qu'il puisse lever sa main. Qu'il puisse lever sa main. Quelqu'un dans les bancs qui reste encore là. S'il est là, qu'il avance un peu devant. Pendant que nous voulons prier, nous allons chasser le diable. Nous allons chasser l'ennemi. Rien ne peut résister ce soir. Que Dieu te bénisse, mon frère. Toi qui es en train de venir, que Dieu te bénisse. Alléluia. C'est lui qui croira et qui sera baptisé. Il sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Même les animaux vont vous juger un jour. Et pourquoi vous ne voulez pas croire en lui? Maintenant, je demande à tout le monde de fermer les yeux. Pendant que je vais faire cette petite prière. Et après, je vais inviter notre pasteur de venir prier. Dieu Tout-Puissant, auteur de la vie, dispensateur de tout temps, envoie ta divine bénédiction sur cet auditoire. Et maintenant, pendant que ton esprit s'émet et que cet auditoire est dans cette condition, je réprimande chaque esprit impur au nom de Jésus. Chaque démon qui a lié les malades, Christ est ici. Lui qui a ouvert les portes, il est ici ce soir. Aucun démon ne peut résister. Là où vous êtes, si vous avez une maladie quelconque, prenez votre main droite, mettez-la où ça ne va pas. Est-ce le médecin ont-il dit qu'il vous faut une opération? Dieu est capable d'opérer sans utiliser le bistouri. Dieu est capable d'opérer sans laisser des cicatrices. Ce soir, reçois ta guérison. Alléluia. Qu'est-ce qui ne marche pas? Le Saint-Esprit est ici. Le Dieu puissant est ici. Est-ce le trouble? Qu'est-ce qui ne marche pas avec toi? Nous avons convoqué ces réunions pour voir la puissance du Dieu d'Élie. Le Dieu d'histoire ne nous aide à rien. Dieu garde toujours son alliance. Il l'a accompli avec Abraham. Il l'a accompli avec Israël. Il peut aussi l'accomplir avec toi. Jusqu'à maintenant. Est-ce que sont les enfants que tu n'as pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce l'argent que tu manques? Est-ce le problème de vue? Prenez votre main. Mettez-la où ça ne va pas. Et nous voulons voir ce Dieu.
Pendant que je demande à l'ensemble de rester silencieux. Soyez silencieux pendant un petit moment. Nous allons l'écouter. Parce que c'est pour lui que nous sommes ici. Dieu Tout-Puissant, maintenant ce soir, sous la commission de Marc 16 et sous la commission de Malachie 4, sous l'alliance que tu nous as faite, éternel Dieu, j'avance ce soir devant l'autel de Malachie 4, là où toutes les prières sont exaucées. Je chasse chaque démon. Au nom de Jésus. Seigneur, que celui qui a un cancer ou celui qui a le sida, je voulais te dire ceci, Seigneur, que dès demain, une telle personne rentre voir son médecin et qu'il puisse faire des examens de nouveau et qu'il vienne ici témoigner la puissance du Dieu des lits. Oh Seigneur, pendant que je sens ton esprit dans cet auditoire, je demande éternel Dieu pour quiconque avait des affaires qui sont bloquées de débloquer cela au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Dieu, toi tu nous as dit dans ta parole que dans notre famille, il n'y aura aucune femme qui sera sans enfant. Mais maintenant ce soir, tu es El Shaddai. Mais maintenant ce soir, tu es Jéhovah Jireh. Ce soir, Seigneur, tu es la pierre de jaspe de Sardoine. Oh Père, tu es la pierre qui tombe de la montagne sans le secours d'aucune main. Oh Dieu bien-aimé, n'est-ce pas toi le luxe de la vallée? N'est-ce pas toi la rose de Saron? N'est-ce pas toi l'étoile brillante du matin? Éternel qui est comparable à toi. Éternel qui est comparable à toi. Je réprimande de chaque esprit de sortir de ces gens au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh, 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 alléluia. Change les choses, Seigneur. Change, Seigneur Dieu. Change, Seigneur Dieu. Voici le moment éternel. L'heure est venue, Seigneur. Le temps est venu, Seigneur. C'est assez, Seigneur. C'est assez. C'est assez, Seigneur. C'est assez, Seigneur. Oh, Seigneur. Change, éternel. Change, Seigneur. Nous voulons le voir ce soir. Nous voulons le voir. Nous voulons le voir. Nous n'avons pas besoin de l'histoire. Non, nous voulons le voir. Nous voulons le voir. C'est assez, Seigneur. C'est assez, Seigneur. C'est assez, Seigneur. C'est assez. Y a-t-il quelqu'un ici comme ça? Un aveugle. Y a-t-il quelqu'un comme ça ce soir? Le Saint-Esprit est ici.
Il est ici pour faire quoi que ce soit. Il est ici pour te guérir. Il ne change pas. Il est ici, mon frère. Il est ici, ma soeur. Oh, merci, Seigneur. Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui est difficile pour toi? Qu'est-ce qui ne marche pas pour toi? Quels sont les travaux? Qu'est-ce qui ne marche pas? Il est ici ce soir. Si c'est le travail, que Dieu débloque ceci ce soir au nom de Jésus. Si les choses ne marchaient pas, dès ce soir, que les choses marchent au nom de Jésus. Je le crois ainsi. C'est la vérité. C'est la vérité. J'appelle notre pasteur. Pasteur Weto. Dieu notre Père, laisse que Seigneur le salut à grande échelle se répande dans cette église ce soir. Pour chaque âme perdue qui ne te connaît pas encore, laisse que Seigneur Jésus, la guérison à grande échelle, se répande ce soir dans ce bâtiment, Père, pour qu'aucune personne qui était venue malade ne reparte en étant malade. Mais qu'à partir de ce moment même, que chaque personne constate un changement de son état. Oh, merci Seigneur qu'elle constate un changement de son état. Et au fur et à mesure qu'elle va continuer à croire, que ce changement devienne complet et intégral au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Seigneur, laisse que chaque personne qui assiste à la réunion de ce soir obtienne de toi une part de bénédiction matérielle, une part de bénédiction financière. Ce que nous avons, nous le lui donnons au nom de Jésus-Christ. Afin que ces problèmes qui n'avaient pas de solution, à partir de ce soir, qu'ils soient entièrement résolus au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous vous demandons de faire, vous qui êtes à l'autel, ou vous qui êtes là-bas dans l'auditoire, ce que nous vous demandons de faire, c'est de croire que le même Dieu des prophètes, il a de nouveau un prophète en ce temps de la fin. Et tout ce qui a été fait ici a été fait pour votre bien. Ah, bien. Et vous verrez que votre situation s'améliorera. Et si vous n'avez jamais été baptisé dans votre vie, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, rapidement, si vous voulez que votre situation change rapidement, faites-vous baptiser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous verrez que votre situation changera très rapidement. Parce que tu prendras son nom dans le baptême. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom dans lequel la maladie est guérie. Le nom dans lequel toutes choses dont vous avez besoin vous seront rendues possibles. Mais vous devez prendre ce nom-là sur vous dans un baptême d'eau. Si vous ne l'avez jamais fait, vous pouvez revenir ici et nous vous baptiserons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme ça, vous prendrez sur vous son nom. Son nom vous accompagnera partout. Son nom sera ta victoire.
Alors que nos yeux sont fermés, s'il y a quelqu'un qui peut nous dire, moi je n'ai jamais pris ce nom-là dans le baptême, mais je suis prêt à le prendre ce soir ou demain. Pour le jour suivant, je suis prêt à prendre ce nom de Jésus-Christ dans le baptême. Levez la main, je vais prier pour vous. Je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui n'a jamais pris le nom de Jésus-Christ dans le baptême? C'est un nom merveilleux. Vous avez besoin de ce nom-là. C'est le nom qui va vous garder. Et c'est le nom dans lequel tous vos besoins seront exaucés. Gardez votre main levée alors que je vais prier. Ah, si quelqu'un qui n'avait pas levé avant veut encore lever, qu'il peut encore lever. Que Dieu te bénisse, mon frère. Je vois une autre main là-bas, que Dieu te bénisse. Si vous n'avez jamais été baptisé au nom de Jésus-Christ, nous vous donnons l'occasion de te baptiser au nom de Jésus-Christ pour porter ce nom sur vous. Dieu est notre Père. Tu vois toutes les mains qui sont levées maintenant vers toi pour prendre ton nom dans le baptême d'eau. Seigneur, bénis la décision qui a été sur leur cœur. Que rien ne puisse les empêcher. Parce que tu avais dit, Pierre l'avait dit au jour de la Pentecôte, repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà les hommes qui sont prêts à se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus. Les femmes qui sont prêtes à se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis leur décision au nom de Jésus. Et quand ils se feront baptiser comme cela, tout ce qu'ils avaient comme difficulté, que toi tu résolves cela pour eux, Seigneur. Tout ce qu'ils avaient comme problème, qu'ils voyaient la fin de ces problèmes-là, Seigneur. Même si c'était des maladies graves, qu'ils constatent après avoir pris ce baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus que leur maladie alors que nous remercions le Seigneur. Come on.
Nous vous aimons. Tu ne m'y penda. Nous vous aimons. Tu ne m'y penda. Vous avez honoré le Seigneur Jésus qui vous a invité. Je crois que lui aussi vous a honoré. Merci d'avoir été là. Alors, si vous voulez encore nous visiter. Alléluia. Alléluia.